match de badminton, il y a un temps de temps de repos où on peut jouer. Et on ne fait pas les deux en même temps. D'accord ? Si vous voulez apprendre quelque chose, c'est pas en faisant de la tablette sur un stage. Il y en a un qui va taper les volants que en revers. Et il y a un qui va taper que les volants en coup droit. C'est bon pour tout le monde ? Il va être très très dur encore une fois physiquement parce que ça va vous imposer pour la plupart d'entre vous, parce que j'ai pu voir là, ça commence tout doucement. La reprise d'appui. Donc maintenant il va falloir vous concentrer encore un peu plus parce que la routine que je vais vous demander là va générer encore plus de vitesse que la routine là. Le plus dur en fait c'est de le mettre en pratique dans le match. Là je vous apprends rien, vous savez, hein. On peut vous dire plein de choses. C'est facile de l'entendre et de comprendre. Mais le plus dur, c'est de le mettre en pratique. Et le badminton, en fait, ce qui différencie un joueur de haut niveau d'un joueur de moins bon niveau, c'est qu'il est capable de faire la même technique, mais plus vite. C'est juste ça. Voilà. Nous, le seul truc qu'on n'a pas le droit qui reste pareil, c'est quand on fait notre défense. D'accord ? Au début, on envoie la défense là. Si on voit que notre partenaire nous fait bosser, c'est trop facile. On met de la vitesse et pour ça, on va mettre de la distance. Donc vous pouvez défendre un peu plus là. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux mini-moy contre un grand. C'est un set de 11 points. Avec une barre. Les mini-moy, vous commencez à 9 points. Vous aurez le droit de faire un cul rouge. Pour les grands, il y a une règle. Il y a Paris qui est masochiste. Il y a une règle supplémentaire. Vous n'avez le droit que à 5 smash. Stop. Avec ça, ce que je voudrais, c'est que vous rameniez tous les volants dans la caisse.